Bonjour à tous! Cette vidéo comporte deux parties. Tout d'abord, une présentation de Marivaux et de son œuvre, puis l'île des esclaves et le parcours Maîtres et Valets. Pierre Carlet naît en 1688. Son père le convainc de s'inscrire à la faculté de droit. Le jeune homme déborde d'enthousiasme. Il est peu assidu en cours et ne se présente pas toujours aux examens. En effet, lui ne veut pas faire du droit, mais écrire. Sous le pseudonyme de Monsieur de Marivaux, il publie à 28 ans L'Homère travesti. Une parodie de l'Iliade. Rappelons que cette célèbre épopée raconte le siège de Troie mené par les Grecs pour récupérer la belle Hélène. Chez Homère, les dialogues sont épiques, ça donne ça. Du combat, seuls les lâches s'écartent. Est-il une gloire plus grande que de se battre Sous la plume burlesque et décalée de Marivaux, ça devient ça. Alors, comme ça, on a fui devant les Grecs. Mais je dis bravo. Oui, mais. Ils ne nous ont pas rattrapés. Le soldat déclare alors au roi Priam J'ai cependant, je le confesse, senti qu'on me lardait la fesse. Sans m'arrêter, je dis Fripon, prends-tu mon cul pour un chapon En désacralisant au maire ce monument de la littérature antique, Marivaux s'inscrit dans la fameuse querelle des anciens et des modernes, née à la fin du XVIIe siècle. Pour les anciens, comme les poètes Boileau et La Fontaine, les œuvres antiques sont parfaites. On ne peut que les imiter. Pour les modernes, comme le célèbre conteur Charles Perrault, on peut dépasser les auteurs antiques. Avec Homère Travesti, Marivaux campe clairement du côté des modernes. Toujours est-il que ce dernier s'est mis à écrire. En effet, un mariage avec une femme fortunée lui a permis de se consacrer à sa passion. Il a investi l'argent de son épouse dans la banque de l'eau, cet économiste génial qui a créé le billet de banque et dont le nom rime avec banqueroute. En 1720, Marivaux est ruiné. Alors, il retourne à la fac, enthousiaste. Il finit par être reçu avocat mais n'exercera jamais. Le succès d'une de ses comédies, Arlequin poli par l'amour, le convainc de vivre de sa plume. Et il a raison car les triomphes s'enchaînent. La surprise de l'amour, l'île des esclaves ou encore le jeu de l'amour et du hasard. Ces pièces sont généralement jouées à la comédie italienne. Notre dramaturge préfère cette scène à l'autre grand théâtre parisien, la comédie française, car le jeu y est beaucoup plus naturel. Marivaux est également journaliste. Il crée même plusieurs périodiques dont il est l'unique rédacteur comme le spectateur français. Enfin, il écrit d'autres choses. Comment dire ah, oh oui, oh, des petits trucs. Ce n'a, pas de nom. Allons, Marivaux, un petit effort. Peut-être pourrait-on appeler ça des romans. Au XVIIIe siècle, roman est un gros mot. Ce genre, dépourvu d'ancienneté et de règles, est considéré comme immoral. Ainsi, Marivaux publie entre 1728 et 1742 les onze parties de La Vie de Marianne, petits truc qui connaît un grand succès. Bref, une histoire compliquée qui n'en finit pas et qui d'ailleurs restera inachevée, un peu comme certaines séries de nos jours. En 1732, Marivaux, soutenu par sa grande amie madame de Tencin, présente sa candidature à l'Académie française. Il est recalé. Il se représente en 1736, nouvel échec. Il demande des explications on lui en donne notre métier à l'académie est de travailler à la composition de la langue et celui de m de marivaux est de travailler à la décomposer pourquoi cette accusation notamment à cause de ses néologismes c'est-à-dire des mots qu'il invente et qui déplaisent à l'académie même si beaucoup d'entre eux finiront par être intégrés à la langue française parmi eux on trouve scélératesse Fictivement et surtout le pire de tous. Tomber amoureux Mais ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est le dramaturge Régnard. Enfin, en 1742, grâce au soutien indéfectible de Madame de Tensin, Marivaux est reçu à l'Académie française. Pourquoi ce revirement L'archevêque de Sens, qui prononce son discours de réception, lui donne la réponse. Votre élection n'est pas due à vos multiples ouvrages, mais. À l'amabilité de votre caractère. Sur quoi il lui glisse dans le creux de l'oreille. Et puis, c'était vous ou ce philosophe de Voltaire On a voté contre lui plus que pour vous. Marivaux est si vexé qu'il demande publiquement réparation à l'Académie. Il meurt en 1763, laissant derrière lui de nombreuses dettes et une petite quarantaine de comédies jouées dans le monde entier. Deuxième partie, L'île des esclaves, 1725. Cette comédie en un acte se déroule pendant l'Antiquité dans une île grecque utopique, c'est-à-dire imaginaire. Elle met en scène cinq personnages. Premier personnage, Harlequin, qui est un valet issu de la Commedia dell'arte. Dans le théâtre italien, Harlequin porte parfois une bouteille à sa ceinture. Pour illustrer son ivrognerie. Marivaux lui a laissé cette caractéristique, le faisant parler à plusieurs reprises d'eau-de-vie ou de vin de la République. C'est ce personnage qui assure essentiellement la portée comique de la pièce. Il multiplie les traits d'esprit. Par exemple, il dit que son maître demande à parler à son dos pour faire comprendre que ce dernier veut le battre. Mais l'Arlequin de l'île des esclaves, est plus profond que le valet ivrogne, gourmand, rusé et paresseux de la comédia dell'arte. Comme on le verra, c'est un être généreux et réfléchi. Deuxième personnage, le maître d'arlequin Iphicrate. Son nom vient du grec et signifie qui domine par la violence. Effectivement, ce jeune seigneur athénien use de la force pour dominer son valet. C'est ce que montrent ces deux attributs évoqués dans la scène 1, le gourdin qui est resté dans la chaloupe et l'épée qu'il brandit contre Arlequin. Troisième personnage, la servante Cléantis. Alors qu'Arlequin n'est pas rancunier envers son maître, Cléantis est pleine de colère et de rancœur contre sa maîtresse Euphrosine. Quatrième personnage, Euphrosine. Dans la mythologie grecque, Euphrosine est l'une des trois grâces qui sont des divinités de la beauté. En effet, le personnage de Marivaux est futile et ne songe qu'à son apparence. Cinquième et dernier protagoniste, Trivelin. Trivelin est plus ici une fonction qu'un personnage, car il n'a pas de caractère propre. Représentant l'autorité dans la République insulaire, il a la fonction d'un médecin des âmes. De plus, c'est un metteur en scène, c'est lui qui distribue les rôles et les costumes. Pourquoi cette distribution Que se passe-t-il au début de la comédie Iphicrate et Harlequin, ainsi que Frosine et Cléantis, ont échoué sur l'île des esclaves. Trivelin vient leur apprendre la loi très particulière qui régit ce lieu. Il est en effet peuplé par des descendants d'esclaves venus sur l'île pour fuir les cruautés de leurs maîtres. Dans un premier temps, ses ancêtres ont tué tous les maîtres qui y faisaient naufrage et ont libéré leurs serviteurs. Mais leurs coutumes se sont ensuite adoucies. Maintenant, ils jettent les maîtres dans l'esclavage afin de les rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve, de leur faire comprendre ce qu'endurent leurs serviteurs et ainsi de corriger la barbarie de leur cœur. Ils leur donnent ainsi un cours d'humanité. Cette leçon va se dérouler à travers trois épreuves. Première épreuve, l'échange de conditions sociales à la scène 2. En un instant, Euphrosine et Iphicrate, qui étaient tout en haut de l'échelle sociale, se retrouvent tout en bas. Cette chute est matérialisée par la perte de ceux qui symbolisaient leur supériorité, leurs noms, leurs beaux habits et les d'Iphicrate. Comme l'explique Trivelin, il s'agit de corriger les personnages de leur orgueil. Deuxième épreuve, le portrait aux scènes 3 et 5. Trivelin demande à Arlequin et Cléantis de faire le portrait de leurs maîtres respectifs. Grâce à ce miroir peu complaisant qui leur est tendu, Euphrosyne et Iphicrate prennent conscience de leurs défauts et, à la demande de Trivelin, reconnaissent la justesse de ces descriptions. Là encore, l'amour-propre est malmené. Troisième et dernière épreuve, le théâtre parodique à la scène 6. Pour s'amuser et jouer au noble, Harlequin et Cléantis, qui ont revêtu les costumes de leurs anciens maîtres, singent ces derniers devant eux. Harlequin fait semblant de faire la cour à Cléantis. Il abuse d'expressions précieuses comme mes flammes ou mes feux ce qui ridiculise cette scène de galanterie. Là encore, un miroir peu valorisant. Étendue à Euphrosine et Iphicrate. Puis, les anciens serviteurs décident de changer de jeu et d'épouser leurs anciens maîtres. Après tout, ils sont devenus pour eux des partis très honorables. Mais la détresse d'Euphrosine, démunie et sans défense, suscite la compassion d'Arlequin. De plus, il est ému par l'affliction de son ancien maître. Il décide alors de reprendre sa place de valet et remet son ancien habit. Euphrosine finit par imiter l'exemple d'Arlequin et reprend également son habit de servante. Chacun a donc retrouvé son rang social initial. Mais le cœur des maîtres a changé. Euphrosine et Iphicrate sont dorénavant guéris de leur dureté. Dans cette comédie, des valets intelligents et généreux prennent la place de leur maître et leur donnent une leçon. Marivaux serait-il un révolutionnaire avant l'heure Non, car le dénouement est un retour à la situation servile de départ. Marivaux n'est pas un révolutionnaire, mais un humaniste. Il veut montrer aux maîtres qu'ils traitent mal leurs serviteurs et qu'ils devraient faire preuve de plus de bienveillance. La leçon est donc morale et non politique.